instructions de course, faut les lire. Les instructions de course, tu penses à les lire. Pourquoi je participe? Parce que j'avais participé l'année dernière avec un équipage de filles novices. On s'était rencontrés sur Internet et j'avais adoré l'épreuve. Et le lendemain, mon patron de mon cabinet de conseil m'a dit « Oh, il y avait une belle régate dans la rade, est-ce qu'on pourrait pas un jour sponsoriser un bateau comme ça ?» Donc l'idée a fait son chemin et donc cette année nous y allons avec un équipage du cabinet Xélis Conseil. Bah, c'est sympa déjà de faire une régate rien qu'avec des filles. Bon, même si nous on a l'habitude de faire du match race en féminin, là c'est sympa de voir qu'il y a autant de filles en France qui font de la voile et puis l'ambiance est super bonne, on retrouve plein de copains, on passe des bons moments et c'est sympa. Et on refait de la flotte, c'est cool. C'est une régate qu'entre filles, donc c'est sympa, il n'y en a pas beaucoup en France. Et là, en plus pour une association caritative, on trouve ça super quoi. Un beau projet organisé par Cécile et puis voilà, on est encore au rendez-vous et on sera encore là l'année prochaine si ça continue pour soutenir Plan et continuer à naviguer entre filles, c'est quand même très sympa, une fois par an. Voilà. Que la meilleure gagne. Et puis prenez du plaisir sur l'eau. Là au moins il y a du soleil et un petit peu moins de vent et c'est pas mal. Et on a gagné. C'est chouette, voilà.
la deuxième manche du groupe B. Toujours de superbes conditions et toujours nous devant. Donc voilà, c'est bien. Manche du Rouen et on gagne encore et on dédie cette victoire à Nesval Soisny, voilà notre ancienne équipière qui est partie à Nice, voilà. Et à Félix. Et à Félix aussi, le fils de Cécile, parce qu'à chaque fois il l'oublie. Oh non, non, bah allez-y. C'était comment? Tip top. C'était bien. C'était tellement bien que notre skipper, elle a envie de refaire de la régate. C'était très sympa. Comme ça. C'était super bien. Ah, c'était très bien. C'était c'était formateur. C'était bien. Super temps. Quoi? Super temps. Très sympa. Alors c'était comment? Très bien pour une première expérience. Vraiment sympa. C'était super. C'était super, c'était formidable. C'est super sympa, c'est une très bonne ambiance. On est contents d'être ensemble. Donc il y a quand même un petit peu de temps qu'on n'a pas pris des départs, régler des bateaux et tout ça. Donc on n'est pas brillante, mais on s'amuse bien et on a toujours une pêche d'enfer. On a participé à cette Women's Cup parce qu'on voulait se retrouver au bout de 30 ans. On a fait des équipages féminins il y a 30 ans et c'était l'occasion de refaire des équipages féminins, de se retrouver et puis aussi de soutenir l'action de plan international Because I Am a Girl. Déjà, je tiens à vous remercier, vous les filles, parce que sans vous, ce projet ne se fait pas. Votre enthousiasme nous porte toute l'année pour préparer le projet. Les retours que vous nous faites sont super. Moi, je suis émue. C'est pourquoi elle me dit, je cherche un sponsor. Je lui dis, c'est quoi? Et elle commence à me parler de l'histoire. Et on a tout de suite dit, banco, ça nous intéresse. Ça nous intéresse, c'est des femmes, ça se passe à Pornichet, il y a des vraies valeurs, on va raconter une histoire. Aujourd'hui, il y a plus de filles que de garçons, c'est un véritable bonheur pour moi, vous connaissez. Surtout que le mois de mars, c'est le mois, je dis bien le mois du droit des femmes. Les filles ont besoin d'avoir des droits, et c'est pour cela que nous sommes là. Et puis, par rapport au climat, nos terres ont besoin d'eau, donc voilà.